Bonjour, bienvenue sur Argus.fr. Aujourd'hui, nous nous mettons derrière les fourneaux pour vous présenter toutes les nouveautés Peugeot de 2016. Mais avant tout, on va se mettre en situation. C'est parti. Au menu du jour, entrée plat dessert avec deux SUV et un véhicule utilitaire. Bon appétit, bien sûr. En guise de mise en bouche, on commence par la Peugeot 2000 litres stylée. Un modèle plus typé SUV, une recette plus épicée. L'idée, c'est de concurrencer le Renault Captur, le leader des ventes. La Peugeot 2000 litres stylée, on la verra en mars 2016 au Salon de Genève. Passons maintenant au plat de résistance. Tout nouveau, tout chaud, sorti du four, voici la seconde génération de Peugeot 3008. Fini le millefeuille qui superposait à l'époque des mélanges de monospace et de coupé. On arrive maintenant dans du 100% SUV. Cette seconde génération de 3008, on la verra au Mondial de Paris en octobre 2016. Et l'idée, c'est de concurrencer Volkswagen Tiguan et Nissan Qashqai. J'espère que ces deux SUV vous ont régalé. Passons maintenant avec le dessert par une note d'utilitaire sucré. J'ai nommé le Peugeot Traveler, l'utilitaire qui dérivera la version de série du concept car food truck. Voici la version de série, c'est le Peugeot Traveler. Le fourgon utilitaire est la version vitrée qui est fabriquée en partenariat avec Citroën et Toyota. On voit tout de suite que le food truck, c'est celui qui a inspiré ce Traveler. Il y a la même couleur et puis il y a plein de formes qu'on va détailler sur le motif qui vous montreront l'affiliation. Il n'y a pas que la sauce orangée enrichie en bêta-carotène et puis la silhouette en forme de bûche de Noël qui fait l'affiliation entre le Traveler et le food truck. Il y a également les phares, la calandre et puis la silhouette générale. Mais au-delà de tout ça, on voit que ce food truck, il a vraiment des gènes de SUV avec ce bouclier taillé à la serpe. Et ça, c'est ce qui préfigure l'avant de la Peugeot 2008 et de la Peugeot 3008, les nouveautés Peugeot de 2016, avec ce fond de sauce, le food truck. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à prendre le volant de ce Peugeot Food Truck pour une tournée itinérante. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt sur l'Argus.fr pour de nouvelles recettes. Et bon appétit, bien sûr. Chauffe, là on est bien, là. Il y a la fumée. Ah bah attends. C'est tout encore moi le père du crasse. Je vais faire tout de suite une terrinette de lionceau de chez Peugeot dont j'ai le secret. Hehehehe